Bernard Durandis, adjoint pour la pastorale. Depuis 4 ans, M. Valera m'a confié cette mission de m'occuper de la pastorale. Ça concerne toute la vie spirituelle de l'établissement, mais aussi des activités culturelles. Nous avons mis en place un parcours pour les élèves de 4e, axé sur l'éco-béatitude. Pour dire tout simplement, c'est l'écologie bienheureuse, c'est une écologie qui va prendre en compte et l'homme tout entier, l'homme dans sa globalité, à la fois corps, esprit et cœur. Effectivement, je pense que pour moi, dans ma mission, c'est souvent les retraites des professions de foi ou des confirmations. Ça reste des lieux où on quitte l'établissement. On va vivre avec ces quelques élèves, une vingtaine en moyenne ou une trentaine, une expérience où on n'est pas dans un cadre fermé, où on apprend à se connaître en vérité, en quelque sorte, où le mur de l'éducateur ou des responsables est tombé. Là, on est plus dans la fraternité. La joie d'être ensemble, ce qui est touchant ici, où chacun trouve sa place. Mais cependant, je sens, voilà, on a la joie pour nous, peut-être éducateurs, enseignants, personnels, d'être au service, de travailler ensemble. Effectivement, la pastorale, on va prendre sur deux points, le côté purement spirituel et puis le côté purement, en fait, aider les jeunes à grandir. La pastorale, c'est beaucoup de temps d'échange, voilà. Et je pense que les élèves m'apportent, comme j'ai des choses à les apporter. De même aussi, toutes les personnes qui interviennent de la pastorale. Je pense que la force de la pastorale au vieux cours, c'est l'ensemble des intervenants, en partant des bénévoles extérieurs, jusqu'au chef d'établissement qui a un groupe de KT, donc qui prend tous les jeudis. Donc je pense que c'est ça la force de la pastorale au collège. Parfois, moi, je suis souvent touché de voir des jeunes, pas forcément très ancrés dans la foi, mais qui ont besoin parfois un lieu calme, un lieu de silence. Eh bien, ils vont dans la chapelle, ils s'assoient. C'est vraiment une chance qu'on a dans cet établissement, au niveau de la pastorale.